Laurent Grisanti, jeune éleveur d'ovins, est un des seuls bergers à s'être installé dans la pieve de Loretta ces dernières années. Son troupeau atteint les 200 brebis. Une centaine seulement sont à la traite en ce moment. Un litre par jour par brebis, une petite production de lait destinée à une fromagerie de la plaine. Laurent Grisanti est fils de berger. Cette profession s'est imposée à lui naturellement. Son premier but est surtout de vivre au village. Une décision à l'inverse des autres jeunes de son entourage. Dans l'intérieur, en Castaniche en particulier, la relève se fait rare. On a l'impression que les gens, ils n'ont plus envie de vivre l'année au village, en Castaniche. C'est quelque chose, non, ils n'ont pas envie. Ils montent le week-end ou un peu l'été, pendant les vacances. Mais on voit qu'ils n'ont pas envie d'y vivre à l'année. Quand il commence à faire froid, ils s'en vont, ils n'ont pas envie d'être ici. Il faut allumer le feu ou alors il faut faire une installation électrique de chauffage. Donc c'est plus, on voit que ce n'est pas vraiment un problème financier. Difficulté de la vie rurale, difficulté du métier de berger. Lorsque les deux s'accumulent, en fait, tout se complique. Éleveur de chèvres, Georges Grisanti est le père de Laurent Grisanti. Lorsqu'il a commencé plus de 30 ans en arrière, la région comptait des dizaines et des dizaines d'éleveurs comme lui. Depuis, les bergers ont abandonné la région, les clients se sont éloignés. Alors Georges Grisanti s'est résolu, comme son fils, à vendre du lait à une fromagerie. 40 km aller-retour pour effectuer la livraison, c'est le prix de l'isolement. Ah oui, c'est une complication, évidemment. Surtout, c'est de la perte de temps, et puis bon. Rien que d'aller, la voiture, tout, quoi. C'est... Le carburant aussi. Le carburant, tout. Aïe, je viens. Dans la journée, les chèvres de Georges Grisanti vont chercher leur nourriture sous les anciennes châtaigneraies de la Castaniche. Sur ce territoire, désormais délaissé, seule une agriculture de petites exploitations s'accroche. Le berger est aussi éleveur de cochons. Dans l'intérieur, la plupart des agriculteurs ont choisi la pluriactivité pour se maintenir. Comme cette année, les chèvres, elles ont juste un litre de lait, c'est juste, hein. Normalement, elles sont 1,5 litre, 1,7 litre. Là, cette année, c'est un peu moins, mais avec la charcuterie, en faisant la charcuterie, un dans l'autre, on arrive à s'en sortir. Et avec la ferme auberge aussi. Et avec la ferme auberge. La ferme auberge, ça nous permet de vendre sur place nos produits sans aller ailleurs, en ville, ou et puis comme on est loin, assez loin de tout. Dans ces régions de l'intérieur vidées de leurs habitants, comment aider ceux qui ont fait le choix d'y rester? Comment en faire venir d'autres? Pendant que les politiques réfléchissent à installer une zone franche pour la montagne ou des mesures fiscales pour soutenir les entreprises les plus isolées, la famille Grisanti a choisi de créer les conditions elle-même pour continuer à faire exister la vie des villages. C'est à Querchito, un petit hameau de Casabianca, que Georges et Marie Grisanti, le couple de bergers, a ouvert une ferme auberge. Éleveurs en journée, cuisiniers le soir, du vendredi au dimanche, tous les deux s'activent derrière les fourneaux jusqu'à tard dans la nuit. C'est bien de voir le village qui revit, alors que je vous dis, vous entendez, tout le monde se connaît, tout le monde discute, on rigole et tout, tandis qu'avant, tout le monde restait chez eux et chacun chez soi, et voilà. Hein. Dans la petite salle du restaurant, on vient des villages alentours ou parfois de loin de la ville, Bastia. 2 heures de route aller-retour tout de même pour goûter les produits de la ferme. À toutes les tables, la solidarité entre les habitants s'exprime. Jusque-là, il n'y avait rien. C'est un petit village retiré. Il n'y a pas d'activité, enfin, il n'y a pas de distraction. Et finalement, cette auberge, ça réunit les gens. Et puis ça fait venir des amis musiciens. Et on passe un agréable moment. Noi siamo il paese accanto, Ortiburio, ci siamo conosciuti tutti e siamo contenti di seguire, di passare la serata. Ces habitants assument le choix de vivre, revenir ou pour certains de travailler au village. L'envie, la passion, deux ingrédients indispensables et aussi l'espoir que leur exemple inspire enfin de vraies politiques pour l'intérieur.